Bonjour, frère Maxime, comment nous est? C'est GFL Cuisine Creole. J'en fais dans l'été votre chef à la maison, ok? Je veux dire, là, je vais préparer pour nous une salade de papaye. Pour me faire salade là, je vais faire avec crevettes. Crevettes là, qui sont là, qu'on a la balle cuite crevettes là. Je vais faire un bagage, il y a court bouillon. Pour me faire court bouillon, je vais mettre tous ces ingrédients là, je vais mettre devant nous. Je vais mettre poivre en grain. Poivre en grain, c'est juste pour aller chercher du goût. Je vais mettre persil. Mais persil, ça me mettait assez de bois persil. Là. Ça nous jetait qui en bas des persil. Là. Et puis mettez céleri, mettez oignon, mettez carotte, mais mettez thym, ça au moins coupé grossièrement. Mais crevette là, ouais, je vais juste nettoyer. Moi laver, moi pas laver avec le citron zon ici, craser crevette là. Moi juste mettez de l'eau là-dedans, moi décortiquer, ça veut dire me lever petit pois. Et puis après ça, moi juste mettez de l'eau. Qu'on a là, on va le faire bouillir. Un coup bouillon là, bah mettez sel, c'est très important, bah mettez sel. Fait coup bouillon là, les fines bouillies là, ça fait presque au moins une dizaine, une quinzaine de minutes la bouillie. Qu'on a, si je veux, je vais décanter, je vais enlever tout ça, yo. Après ça, mettre le crevette là dans de l'eau. Même pas mettre la dedans parce que je veux plus goût entrer dedans. Non, mais là, mettre la dedans. Une fois mettre là, je vais en faire juste bouillie et puis après, je vais sortir. Okay. Là, ça fait au moins 7 à 8 minutes la bouillie. Okay. Je vais fermer les fours. Qu'on a là, moi tout de suite, moi avancer les. Je viens avec bol ça, avec un chinois en mi-temps, je décante. Une fois que je décante, qu'on a là, je lève les, qu'on a le prend, je prends de l'eau glacée là, ça c'est une de l'eau avec glace là-dedans, tout de suite je vais retirer cuisson, je dépose là-dedans. Pendant que la refroidit bien refroidit là, c'est prêt là, je mets encore là, c'est bon là. Je vais faire des crevettes pour me faire ça là. Qu'on a là, je mets ça à refroidir. Bouillon ça qui sont avec ou ka qui dure avec ou ka fait sauce avec qu'on a la moi conserver m'a mettre dans frigidaire la fin refroidi après ça mettre dans pot mettre dans congélateur quand que besoin font petit sauce avec poisson toute belle type belle petite sauce blanche là moi conserver pour me faire même venir avec papa il a là qu'on est là on va commencer on va faire petit émincé de papaye moi aller avec la moitié tout de suite. On a là m'a vidé papa là. Avant même moi caler moi tout vidé, OK? Vider ça veut dire retirer tout ça quand dans l'eau. Et m'a tout calé le tout hein. Papa m'a acheté il excellent, il pas trop mis, il pas trop vêt non plus. Une fois que papa il a bien coupé, qu'on a là moi émincer, moi le faire petit julienne avec. Faire julienne de papa, c'est pas qui facile. Effectivement, c'est pas facile mais nous va le. Je prends la longueur avec une grosseur raisonnable. Hein? Une fois que je coupe en longueur comme ça, qu'on a tout de suite moi couché. Mais qu'on a tout le couteau qui va le passer à travers, ça veut dire que c'est un julienne nettoyé. Ok? Regarde ça. Ça veut dire plus que fruit à lui-même, si c'est un fruit imparfait, ça veut dire ou pas qu'à couper bien droit ou bien peu importe, qu'on a besoin de des julienne qui est plus long que l'autre, qui est plus court que l'autre. Ok, je fais petit julienne yo. Et puis je continue avec julienne comme ça. Qu'on a là, mais tout à fait là, net au complet. Avec tout ça, je vais faire salade là pour nous. Mais papaye là, crevette, tomate, échalote verte, poivron, et puis mon petit feuille de menthe. Je vais le montrer nous. Qu'on a tout de suite, je vais faire vinaigrette pour me faire salade là. Je prends une petite quantité de à volonté de papaye. 2 cuillères de vinaigre blanc, ça fait 1 cuillère, ça fait 2 cuillères. 1 quart de tasse de l'huile d'olive, n'a pas le vert. 2 têtes l'ail. Après ça, mettez un petit poivre là. Une fois que mettez tout ça là-dedans, qu'on a bon passé l'anti-girafe. C'est pas beaucoup lié, c'est ça que fait me faire ça. Mais si toutefois fait beaucoup, on va passer dans le blender. Ok, on fait ça. Faut m'assurer qu'elle a bien crasé, hein. Ok, c'est pas fait. Là, elle a bien crasé. C'est ça le plus important. C'est là, là. Mais vinaigrette, qui est en fait là, qu'on a dit là. C'est pas une salade pour faire pour appeler des brasser en pile parce que sinon tout a crasé. Moi, mettez crevette là-dedans. Moi, mettez échalote verte là-dedans. Et sous pas gagner lui-même, ou qu'à mettez persil haché là-dedans. Mettez poivron là-dedans. Et moi, mettons ces petites tomates cerises coupées en deux. On va le montrer nous.
C'est ça, petit tomate cerise, qui ça me fait, mais je prends un couteau simplement, je fais ça là-dedans. Et voilà, je fais ça, je dépose. C'est tout. On y a avant, même moi, je mettais vinaigrette là, mais je fais maintenant. Fais maintenant, je suis en Haïti, je ne sais pas si je suis en Noël, je ne sais pas si je suis en mémoire là-dessus. Mais ici, chargé fais maintenant. Fais maintenant, mettez là, il prend pour ton petit goût frais. Il prend apporter la fraîcheur. La portée fraîcheur pour nous, ok? Qu'on a là, on va ciseler. Ciseler. Si toutefois, pas un couteau pour couper le jambon, le faire là, ou quand on ploie comme ça, pour prendre un ciseau, il utilise en cuisine et pour couper les pour déposer là-dedans. Ou pas de bail deux coups de couteau pour ne pas hacher. Un seul coup de couteau. Regarde. C'est ça qui est le ciselé. Je vais déposer dans le plateau. Là maintenant, je vais venir avec ce vinaigrette là. Mettons une petite cuillère de sel là-dedans. Que là, moi mettez tout ingrédient au même avant que me brasser parce que c'est une salade qui est fragile lié. Plus vous brassez en pile, plus qu'on a le droit de venir craser et ou perdre papa là vient ça c'est un miette morceau. Je veux le rester ferme, cette raison fait me brasser de temps en temps là. Regarde. C'est déjà parfait là. C'est vous ça que fait me tourner le conseil peut-être pour me pas trop virer trop parce que là c'est plus celle là besoin que fond dedans là. Oh, c'est parfait ça là. J'ai pas encore goûté, OK? Quittons une trentaine de minutes passées sous l'île là. Après ça, on va le goûter pour nous. Parce que puis go bali tout de suite. Hein. Sous bali vraiment tout de suite, mon va le manger, il va vraiment sentir son papa et la manger. Mais quand on quitte cette vinaigrette là, là il a massuré là-dedans avec tout le maintenant, là qu'on a le monde va le goûter, c'est sûr qu'il a connaissé papa. Mais il n'a pas goûté papa et tant tel. Ok? On va le mettre un petit papier sous l'île et puis après ça va venir sous nous. Qu'on a après 30 minutes, moi venir. Qu'on a sous bien gardé le wapoué, si pas même couleur encore. Après, on a éclairé par dessus. On a juste fait ça. Voilà. Waouh, ça sent bon. Qu'on a là, on va le déposer dans le bol. Et puis après ça, on va goûter. On va décorer aussi. On va faire une petite décoration pour nous. Mais puisque c'est une petite salade de. Papaye, c'est une sorte de fruit qu'on a décoré aussi. On va décorer avec une pomme. D'accord? Mes pommes là. C'est très bon, hein? Regarde-moi ça. Waouh! On va goûter là avec un petit. On va goûter papaye la salade là d'abord avec tout. Un petit poivron, regarde, un petit poivron, tout là-dedans. C'est exactement comme moi pensé là. J'aime bien penser là, comme ça le sorti même. Très bon, très frais par exemple. C'est comme léger sous l'estomac. Ça peut le donner du poids, ces crevettes là, ok? C'est très très bon, ok? C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédon Lundi, votre chef à la maison qui t'a été là, Kainou. Merci, au revoir.